J'ai vu un live là où certaines personnes qui vivent en France et la France qu'on accuse, que si aujourd'hui le Gabon est dans le chaos, c'est la France, mais vous vivez toujours en France. Le pays qui rend le Gabon dans le chaos, mais vous vivez là-bas. Je veux toujours parler. Mais comme vous, je n'ai pas peur. Je vous dis, la seule personne dont j'ai peur, c'est Dieu. J'ai vu au Gabon, c'est mon pays. J'ai vu la réalité des choses du Gabon. C'est pas parce que tu es sorti du Gabon. Là, tu es venu faire des morales aux Gabonais, aux gens qui vivent au Gabon. D'où vous parlez de Saïdou Kan. Il faut vivre au Gabon pour parler de la personne. Vous ne parlez pas des Chinois qui pillent au Gabon. Vous ne parlez pas des Togolais, des Béninois, des Camerounais qui ne font rien pour le Gabon, qui sont venus piller ce pays. Mais c'est Saïdou Kan qui est au Gabon, qui vit au Gabon, qui a la nationalité gabonaise. Hein? C'est Saïdou Kan. Il faut venir voir ce qu'il est en train de réaliser pour le Gabon, pour venir parler de Saïdou Kan. Quelqu'un, tu n'es rien, tu n'as rien, tu ne peux rien devant Saïdou Kan, mais tu veux comme parler de Saïdou Kan. Onaza, tu es qui? Ton arbre généalogique, tu ne le connais pas. Et tu dis que tu es gabonaise, et tu dis que tu es gabonais. Vous connaissez qui tu es. Vous venez parler de Saïdou Kan. Voici les Chinois qui pillent le pays. Vous ne faites rien, vous ne parlez pas. Voici Gaga Buta qui a pillé ce Gabon. Vous ne parlez pas de Gaga Buta. Olam. Mais Saïdou Kan, quoi? Parce qu'il a la peau noire. Parce qu'il est africain? Non, dites-moi. Dites pas ça. Vous êtes qui? Mais venez parler aussi au Gabon. On a de la possibilité à tout le monde de rentrer au pays, de venir parler des problèmes du pays. Mais vous êtes en France. Parce que vous ne pouvez pas venir parce que vous n'avez pas de maison. Vous n'avez rien, même une brique. Vous n'avez encore rien mis ici au Gabon. Une brique, vous n'avez pas. Quand vous venez au Gabon, c'est pour vivre encore chez les parents. Mais vous voulez parler de Saïdou Kan. Saïdou Kan, ce qu'il a fait au Gabon, il pourrait bien le faire au Mali. Il pourrait bien le faire au Mali. Mais il a dit non. Son pays, le Gabon, pays d'adoption, il a tout fait pour le Gabon. Il y a des routes que Saïdou Kan est en train de refaire. Que votre frère, soi-disant, votre frère, le fils d'Ali Ben Bongo Ondimba, a pillé le Gabon, vous n'avez rien dit. La femme d'Ali Ben Bongo Ondimba a pillé le Gabon, vous n'avez rien dit. Hein? Akrobesi a pillé le Gabon, vous n'avez rien dit. Akrobesi. Liban Souleymane a pillé ce Gabon. Montrez-moi ce que Liban Souleymane a fait pour le Gabon. Rien. Liban Souleymane, il a pillé le pays, il est parti. Montrez-moi ce que Sylvia Bongo a fait pour le Gabon. Rien. Mais Saïdou Kan, je peux vous dire ça. C'est Saïdou Kan au Gabon. Il n'a pas amené son Mali. C'est au Gabon. Il ne va jamais soulever ça pour amener son Mali. Il a fait ça pour le Gabon. Mais zinzin, fumeur de chanvre, un macafougnard, une bordelle, je ne sais pas, quelqu'un qui tu sors avec ton beau-père, c'est-à-dire le père de ta mère, tu sors avec et tu viens quand même parler de Saïdou Kan, bordel, pétasse, bourgandine. Je m'appelle Efaïn Obam, donne-moi d'abord ton géologie pour parler l'affaire du Gabon. Viens vivre au Gabon, nous on a ça. Que tu es qui pour venir parler de Saïdou Kan au Gabon? Tu as fait quoi pour le Gabon? Tu as fait quoi pour le Gabon pour venir parler de Saïdou Kan? Quoi? Parce qu'il est africain? Parce que les Chinois qui pillent le Gabon, l'or, le manganèse, l'uranium, tout, le pétrole, les Chinois qui pillent ce pays, vous ne parlez pas. Quoi? Parce que Saïdou Kan est africain et là on a mis le ciel là. Pétasse, bordel. Insultez-moi, je suis un habitué. Je m'appelle Efaïon. J'ai vu au Gabon. Hein? Je connais la réalité des choses du Gabon. Maintenant, si vous voulez faire ça, quelqu'un, soi-disant ton père, que tu as vendu les maisons, soi-disant ton père, t'a pillé, t'a enfilé, t'a baisé en récompense pour ne pas faire sortir ça. Il t'a donné des maisons, tu as vendu, tu es parti. Quoi? Parce qu'on a besoin de parler, on a ça. Tu es qui? Pour venir parler de Saïdou Kan. Mais venez au Gabon pour parler de Saïdou Kan. On a appelé les autres activistes, ils sont rentrés dans leur pays. Mais vous aussi rentrez, venez au Gabon pour parler des problèmes du pays. On ne parle pas de ça en France, bordel. On ne parle pas de ça en France, pétasse. Venez parler les problèmes du pays ici au Gabon. Nous sommes déjà libres. C'est plus la famille Bongo. La famille Bongo vous a crapahuté, la famille de Bongo vous a tué. Vous n'avez rien dit. Et une personne comme Saïdou Kan qui construit pour le Gabon. Voici, venez voir sous les champs de la gare routière, je ne parle pas de ça.
sous le genre de la galotière. Les vendus ne passaient plus, c'est Saïdou Kan. À gauche et à droite, par-ci et là, c'est Saïdou Kan. Hein? Alors, et toi, tu as fait quoi? Toi qui ne veux pas de Saïdou Kan, toi, tu as fait quoi? Et là, on a mis le Célan. Vous allez rester en France, vous allez vivre en France, vous allez rester là-bas, vous allez pourrir là-bas. Vous ne pouvez pas rentrer au pays parce que vous n'avez rien. Vous n'avez rien. Mais une brique, vous n'avez jamais posé ici au Gabon. Les parents ne vous connaissent plus. Hein? Le père, soi-disant un père, soi-disant un père, t'a donné tous les biens après avoir te désocu, après avoir t'enculé, après avoir t'encubé. Il t'a dit, bon, prends ça pour que tu ne parles pas. Tu as tout vendu, tu es parti en France. Où est ça? Tu es qui? Quoi? Parce qu'on n'a pas envie de parler.